Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVP avec la nouvelle Roxy. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va jouer une team humaine avec Arthur sur le board et Roxy en sub. Donc cette Roxy fait quoi? Donc quand un allié tue un ennemi à la fin de leur tour, enfin de ton tour pardon, ils vont perdre 2 jauges. Donc en gros c'est un peu le passif des Steen, sauf qu'Steen forcément c'est limité aux humains. Après il y a quoi? Athéna, ouais, c'est de tous les persos. Guerra d'Axarolix, c'est tous les persos aussi. Enfin bref, il n'y a pas de condition comme Estine Vert. Donc déjà ça, les gars, c'est intéressant. Et aussi, pour chaque malus et bonus sur les ennemis, tu augmentes de 2% les PV de tes alliés. Ça cap 10 fois, donc 20% maximum. Et le but de la team, c'est tout simple. Avoir un maximum de stats et après mettre des gros one-shot. Le seul défaut, on va dire, actuellement de la team, c'est que là, enfin en tout cas, au début de la vidéo, c'est que j'ai mis Tarmel Link sur Arthur. Honnêtement, j'aime pas trop par rapport à sa relique, etc. Et puis, honnêtement, je pense que je préfère Tarmel Link sur Escanor. Mais bon, écoutons, on va jouer comme ça. Ce Tarmel Link sur Escanor, les gars, c'est juste totalement broken. Et bah, Sariel Link sur Ban, histoire de faire un maximum de dégâts. Donc, ouais, les amis, écoutez, en soi, le passif, honnêtement, il est pas dégueu. J'en ai pas trop parlé, je crois, dans la vidéo information. En vrai, j'étais en mode ouais, ça va être utile. Genre, j'étais en mode ouais, ça va être utile pour, je sais pas, le PvP 3v3 ou même certaines teams à l'avenir. Tu vois, c'est un perso qui a un passif qui est vraiment pas dégueu parce que généralement, soit c'était Athéna ou Gerard. Là, c'est une Roxy, c'est plus intéressant, je pense. Donc, ouais, let's go. Elle est pas dégueu, mais c'est un sub quoi, donc c'est compliqué de la showcase. Ce showcase un sub, c'est très compliqué, hein. Vraiment, les gars. À part voir la différence, bon là malheureusement la différence c'est juste des PV. Mais ouais, je pense que la team sera pas mal. Il y a Escanor et l'air. Escanor et l'air, les amis, bah c'est Escanor et l'air. Hein. J'ai pas vous faire un dessin. Hein. Alors là, lui, c'est typiquement les mecs que j'aime pas moi. Faire ça. Ah, c'est vraiment les mecs que je déteste avec leur team de mort là. On va cleanse après. On va cleanse les poisons. Bon. Ah là 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 là. Ah vraiment les ah je la déteste hein. Je vous jure que oula. Ah je oh. Ça va frérot là, la petite fusion là. On l'a bien vu hein, la petite fusion, mais ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. On a l'habitude. En vrai, les gars, je vais te péter mon écran. Je suis pas le mec, mais je vais te péter l'écran actuellement. Ok. Attendez, on va regarder les PV de la team. Je pense que la team, elle a des... Donc déjà, est-ce que son Albedon la ken après avec un skill? Eh, j'en doute quand même. Je pense qu'on doit remettre la sauce tartare. Hein. Bref, on a combien de PV sur la team? Bon, le truc qui est cool, c'est qu'on peut enlever des jauges. Oh, attends. En gros, on a Sariel Link. Eh, les petites pixels, là, on aime bien. On est bien. En vrai, ça me fout le seum. Là, tu vois, typiquement, on n'a pas Tarmel Link. Donc, je pense qu'on a lose. Parce que là, on a deux malus. Ouais, elle a une fusion level 2. Je pense qu'on a lose, honnêtement. Hein, parce que là, vous connaissez à quel point c'est cancer. Bah, ouais, les gars, on a lose. Hein. On n'a pas Tarmaling. Même avec Tarmaling, je pense qu'on était chocolat praline. En vrai, pas totalement. Fais voir. Ah, c'est qu'elle a level 2 encore. Attends, mais y a... Ah, mais non, on était peut-être en vie en fait, hein. Pixel, bien évidemment, mais en vrai ça a joué, je pense. Ouais. Je sais pas si c'est un cadeau là, mais c'est comme mon ban en vrai, les gars. Ah mais là en vrai les gars, je tue comment en fait? Bah c'est quoi, go? Oh attends. Allez, ban, tu mets un pixel chaud, je me fous en l'air. Mais frérot, t'es nul en fait. Mais là, du coup, elle a un pixel et elle va juste me tuer quoi.
Oh ouais. Ah les gars, c'est chaud. En vrai, c'est trop compliqué de win. Oh là là. Oh la gueule. Ah mais les gars, on a lose, hein. Parce qu'on a mis un pixel albédo, hein. Ah là là là. Bon bah je suis mort, hein. Ouais bah go live, hein. Ça a rien de jouer, hein. C'est pas Roxy qui va sauver la game, hein. Ouais bon. Oh bon live. Merci. Oh là 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 là. Le PVP sur ce jeu, hein, c'est... Tous les mêmes Gaulmont qui jouent la même team depuis 4 ans. Ça aussi, c'est un truc qui me dégoûte dans le jeu. Bon, après, on peut pas trop l'en vouloir, hein. La méta, elle a mimir, donc bon. Écoutez, les amis. Moi, je vois, ça me fait péter un plomb, hein. J'ai envie de péter mon écran à chaque fois, mais ça, je le dis énormément de fois en ce moment. Ouais, je mets quelle ligne? Tu sais quoi, je mets Margaret. Je vais mettre Margaret ici. Hop. T'inquiète pas, il fera un peu de dégâts le Arthur. En vrai, je vous ai dit, les gars, hein. Le Thermal Link sur Arthur, j'aime pas trop, hein. Tu vois, et la game, on a vu que c'était rompiche. En fait, le truc, c'est d'avoir Merlin Link. Ça augmente tes chances crit, mais honnêtement, t'en as pas besoin. Ok. Intéressant. On va tuer élevé parce que c'est rompiche élevé. C'est pas le meilleur perso à tuer honnêtement. En vrai c'est Jhan le perso normalement à tuer, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi, mais écoutez les amis, c'est la vie hein, comme on dit. Ok. Ouf. À prendre les gars, on a quand même pas mal de PV honnêtement. Intéressant. Ok. Franchement les gars, pas mal. Allez, la petite fusion pour me foutre le seum. Dis-moi que c'est une mono-cible. Est-ce qu'on le tente comme ça? C'est quoi, je vais taper ici, on sait jamais. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis après le truc, mais c'est pas grave. Après, c'est bien un Croxy, on peut gérer les jauges, mais bon, là, on fight une team qui est pas non plus ouf, c'est un bot. Hop, le... Ah, il y a joué en premier, donc c'est le blocage level 2. Voilà. Allez, hein. Ah, elle est bien ma vie, hein, sur ce jeu, hein. C'est bien, hein. Toujours la même histoire, hein. D'habitude, hein. GG, ban. Tu as été meilleur. En vrai de vrai, Oh, j'ai de la one shot, elle. Même si je prends le Thermaling. En vrai, normalement, il scanne et one shot, il y a full flamme. Ah, si one shot pas, frérot, il y a un problème. Hein. Hop, ils vont perdre deux jauges. Oh là là, comment c'est rompiche. En vrai. Franchement, les gars, quand il n'y a pas Roxy bleu, c'est rompiche. Genre, ouais, dans le bac, tu mets Arthur et sur le bord, tu mets Roxy bleu, c'est tellement plus intéressant. Roxy bleu, elle apporte tellement plus de DPS. Ah, oh, je sais pas, les gars. Ah, c'est Mimir, hein. On est d'accord ou pas? Hop, on va mettre un petit Cruel Stone pour un maximum de malus et one shot juste après. Hop. Et là, Escanor, il finit le travail. Voilà. Après, c'est un bot. Hein. C'est un bot. Hein. Ouais, honnêtement, les gars, je sais pas. Hein. En vrai, Roxy. Pff, Roxy, le problème, c'est que déjà, c'est une Roxy. De base, c'est un problème. Dans la team humaine, c'est rompiche. Parce qu'actuellement, Roxy bleu, elle est méta. Enfin, blablabla, tu connais les bails. Pas de faire un dessin, tu connais la méta. Hein, je pense, depuis sa relique, tu la vois souvent. En tout cas, si tu vois une team humaine, tu la vois souvent. Attends, what? Comment ça, mon ref? Ah, c'est un bot. Bah, tu vois, en vrai, là, honnêtement, on avait Roxy, on était tellement mieux dans la game. Ah, c'est vrai, je sais pas, honnêtement, les gars.
La team, je la trouve bizarre. Ah, je sais pas. C'est pas les amis. On est peut-être mort, non? Ok, non, ça. Ça va, ça va, ça va. Tu fais zéro dégâts, le ref. Hein. En vrai, le ban, il doit avoir tellement de vie. Parce que c'est que ban, c'est un bon perso en termes de tankiness. Et pas dégueu, le perso. Ok. Donc là, on va faire un play tout simple, hein, les amis. Un play, on l'appelle le play 2 IQ. On va clean ce. Après, on va. Et Kimos. Lol. Eh, bon perso, Escano. Hein. Pourquoi j'ai clean ça après? Je suis con, moi. Il y a un vulnérable. Oh, en fait, je crois que c'était un autre perso. Je jure, les gars, je crois que c'était. Dans ma tête, c'était pas Escanor. Du coup, il y avait pas le passif d'Escanor. Genre, le coup de la hache, c'était Escanor. Mais c'était pas le bon perso, genre. Je sais pas si tu comprends. Donc, d'ailleurs, du coup, il joue Termeling sur elle. Mm-hmm. Ah, on connaît ces petits joueurs. Hein. Ces petits filous, là. Bah. Ouais. De toute façon, elle est SP1, donc elle va pas avoir énormément de berger, là, de revive. GG. GG à toi, Hell. T'as été meilleur, ma grande. Oh, elle est trop chiante. Hein. En vrai, Hell avec Termeling, c'est tellement concert. Je me rappelle à l'époque, je pétais mon crâne pendant le top 100. Bon, là, malheureusement, il y aura beaucoup de heal avec le Termeling. Mais bon, écoutez, les amis. Oula. Ok. Ça, frérot? En vrai, le Cruelstone, il va te chouer, t'inquiète. C'est Escanor. Bon, en vrai, honnêtement, les gars. Ouais, enfin. Roxy, je pense que c'est une. C'est un sub. Mais pour les autres teams, à part la team humaine. Parce que je le redis, les gars. Ouais, Roxy, honnêtement. T'es obligé de jouer Roxy bleu hein, dans la team humaine. Hein. Sans Roxy bleu, la team humaine, c'est à chier. Hein. Faut dire les termes. Hein. La team humaine sans Roxy bleu, c'est nul. Hein. Bah, je sais pas, les gars, honnêtement. Ouais, bon. Écoutez. Merci à regarder. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Ciao!